Ok tout le monde, j'espère que vous êtes bien sur Twitter et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le Moon Jump. Donc il vient de sortir, donc on est parti pour vous le présenter. Je vais vous la poster le plus rapidement possible. Donc là il est 10h30, je pense vous la poster du coup vers 11h, 12h, midi, 13h je sais pas. On est parti. Tout d'abord vous aurez besoin du coup de du fruit de foudre. Je vais aller en bas, tac. Fruit de foudre, on va aller dans un endroit assez plat comme ouais là. Vous prenez le fruit de foudre, vous le balancez du coup à vos pieds. Le but ensuite c'est d'aller dans le menu rétrospective et ensuite d'enlever votre arc. Donc c'est comme ça, raté. En même temps, le terrain n'est pas droit, donc faites-le sur un terrain droit. Je sais même pas si ça peut marcher. Si c'est bon. Rétrospective, donc normalement ça va faire ça. Ensuite, vous jetez votre arc. Peut-être que là. Et donc comment on sait quand on a réussi? C'est tout simplement vous aurez tout simplement encore votre arc. Donc vraiment faut avoir un timing mais parfait, c'est un truc de dingue. C'est je pense du coup le glitch que je vous ai présenté le plus dur possible. Vous pouvez parfois être trop rapide, des fois vous pouvez être trop lent. Ok, on va essayer d'atteindre un peu. Voilà. Ok, là normalement ça peut être bon peut-être, je sais pas, non. Oh ok, je crois que je l'ai. Pourquoi ça m'attaque pas? Faites attention, ça va coûter cher en cœur, ce glitch. Et le dernier. Et non, j'ai pas réussi. Bon, je vais du coup vous montrer le gameplay d'un américain qui s'appelle Monfat. Je vais le créditer aussi en description si vous voulez voir sa vidéo pour peut-être des meilleures explications. Parce que moi en soi j'ai pas vraiment réussi le glitch, donc peut-être lui il va pouvoir vous apporter plus d'informations. Donc n'hésitez pas à checker dans la description il y a sa chaîne. Et puis voilà, donc je vous montre et puis nous du coup on va déjà s'arrêter là. Donc n'hésitez pas aussi à checker la chaîne, il y a beaucoup de glitch, d'astuces, de plats, parce que j'ai fini hier tous les plats. Donc voilà, il y a des petits plats comme ça, c'est sympathique, que je vous ai présenté, que je vais vous présenter dans les prochaines vidéos, les prochains jours et tout ça. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à la chaîne, cloche, tout le temps. Donc je kiffe. Allez, ciao.